toi tu vas te servir. Quand il travaille la sueur sur front, tu travailles, pourquoi toi-même tu ne vas pas t'embaucher à ce travail, on te paye. Il prend la haine de qui encore? On s'en est pas dit. Vous avez bien fait dans le diable là-haut. Je vous ai dit à sorcier puis à diable. Madame, allons-y. Vous voulez quoi? Délivrer? Vous voulez délivrer? Madame, si vous dépassez ici et vous ne parlez pas, vous rentrez ou mourrez. Je ne suis pas en train de vous effrayer. Je vous dis ce qui va se passer. Vous comprenez? Ce qui va se passer, là, ce que j'ai envie de dire. Si tu as raté ça, je vais plus parler. Si tu as raté ça, que tu ne parles pas, que moi, Crasso, j'ai versé l'huile sur toi, si tu vas, tu meurs. D'accord, je viens de dire. Tu as compris? Quand tu vois ça, qui veut être délivré? On n'a plus le droit. Qui veut qu'elle sorte le laisse? Vous savez que depuis matin, je travaille sur moi. Vous êtes assis, vous regardez. Vous n'avez pas pitié. Je n'ai pas encore mangé. Ouais, mais c'est ça. L'envie de vous aider. Amen. C'est ça. Il est maintenant jusqu'à 18h. Je suis debout. Depuis matin. Amen. C'est ça la compassion. Tu m'appelles. Eh, monsieur. Il va parler. Amen. Que vraiment Dieu nous aide. Amen. Amen. Nous vivons parmi des méchants. Des méchants. Les sorciers, vous voyez, ils sont sans cœur. Quand ils ont la sorcellerie, la pitié n'existe dans leur cœur. C'est pour ça qu'on fait les aveux publics. C'est-à-dire, ça doit vous enseigner beaucoup de choses. Quand vous écoutez les aveux des sorciers, vous devez comprendre que le sujet est trop sérieux. La magie, l'astrologie, la magie, tout ça là c'est de la sorcellerie. Parce qu'il en sort. Là où on l'en sort, c'est de la sorcellerie. Alléluia. Amen. Madame, tu m'as appelé, non? Ah, tu prends encore. Les ordures, comme ça, ils sont. Vous n'avez pas dû parler. Hello. Ah, tu vas aux États-Unis pour prendre l'argent. Comment tu fais? Bonjour. Tu vas quoi? Rémier, comment tu fais? Comme ça. Combien de fois? Trois fois. Et tu fais quoi? Tu dis quoi? On n'a rien à faire venir. Elle t'envoie l'argent. Et puis tu gâtes. Ça, moi, tu es en train de t'amuser. Tu gâtes. Et tu vas là-bas aux États-Unis en avion. Ton avion est où? Et toi, tu as vu? Comment tu disais ça? Ouais. Tu as vu? Il n'a pas parlé à ta place. Ouais, je suis en train de te forcer. Madame, je te force ou bien? Quand tu arrives là, tu fais quoi? Tu chies chez elle. Je ne vois pas clairement.